Framboise ou citron, à toi de choisir. Framboise ou citron, à toi de choisir. Vivre, c'est choisir, c'est faire ses propres choix. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Pour aujourd'hui et pour demain, pour toute la vie. Des choix de rien du tout, ou bien des choix énormes, énormes. Framboise ou citron, rouge ou jaune, frites ou pizza, poids ou rayures, mer ou montagne, cerise ou fraise. Choisis ton porte-bonheur, sucette ou bonbon, chat ou chien, piano ou guitare. Une multitude de choix parfois. Tu peux aussi choisir de résister, d'avoir moins, juste un trésor. Tu peux choisir avec la tête, avec le cœur, en pesant, en sous-pesant, en te trompant parfois, tant de questions qui t'empêchent de dormir. Choisir, c'est prendre des risques en acceptant d'avancer vers l'inconnu. Sans toujours pouvoir faire demi-tour, choisir le sentier le plus sauvage, le plus secret, le plus surprenant. La route la plus large, la plus sûre, la plus empruntée. Ou le chemin le plus raide, le plus dangereux, le plus court. Tu peux choisir de rester tout près, en voyageant dans tes pensées. Ou alors vite, très vite, voler vers de lointaines contrées. Parfois, on ne te laisse pas le choix. Cela peut te sembler insurmontable. École. Mais aussi t'ouvrir tout un monde de possibilités. Il était une fois. Tu peux choisir d'aider l'autre, d'être aidé, car ensemble, on est plus fort. Si quelqu'un te choisit, tu peux décider de dire oui ou non et rester ami. Tu peux choisir quelqu'un qui décidera pour toi et utiliser ta voix pour transformer le monde. Protégeons la planète, on veut des arbres, moins de plastique, nature égale futur. Choisir qui tu veux être, qui tu seras plus tard. Devant toi, tu as toute une vie à apprendre à choisir. La carte des choix. L'océan du changement. Le lac de la sagesse. L'étang du courage. Le phare de l'amitié. Le moulin de la chance.